l'accession à l'écoute musicale, elle est ouverte à tous. Je veux dire, elle est possible, c'est une volonté d'y entrer. Si on ne rentre pas dedans, c'est qu'on est prisonnier d'un préjugé. C'est simplement le conditionnement de chacun. Alors pour les chanteurs, je serai plus en avance, c'est-à-dire que je vais dire au moment où la fréquence de référence commence, je les montre du doigt et le top du début de la mesure. Notre oreille a toujours été habituée à une échelle musicale que l'on nomme couramment le tempérament égal. Cadenza s'appuie sur une approche différente de l'échelle musicale. J'ai repris une autre idée en élargissant le domaine, en disant, au lieu de prendre des hauteurs bien fixées par le tempérament égal, je vais permettre de calculer des intervalles entre les notes qui seront des intervalles sous forme de fractions. Alors que le tempérament égal joue avec des intervalles logarithmiques égaux, les échelles linéaires utilisent des intervalles fractionnaires, à la manière de ce que faisaient les anciens Grecs, avec leurs tétracordes. Nous avons ainsi réuni deux segments de série harmonique, B6 et B7, superposés dans un octave, avec une note commune, le Do. Le procédé de base, c'est Bernard qui l'a trouvé, inspiré par un disciple de Pythagore qui s'appelle Archytas de Tarente, qui avait l'idée de proposer une autre façon d'agencer les hauteurs. Voilà, donc on a pris un peu ce personnage comme emblème pour ce travail-là, quoi. Ça permet de faire entendre des harmonies qu'on ne connaît pas. Donc c'est un champ d'action colossal. Il n'y a aucune prétention à révolutionner la musique. Ça reste basé quand même sur la série harmonique. Et donc, ce qui est intéressant, c'est une extension. C'est une extension à la carte harmonique et mélodique. Ça demande un travail assez colossal, parce que notamment pour les voix, quand on pense à des chanteuses lyriques qui doivent chanter en lisant des notes qui ne sont pas les notes qu'elles ont, qui ne donnent pas le son qu'elles ont l'habitude d'entendre là-dessus, c'est un sacré travail hein, quand même. Et pour pouvoir chanter ces notes, il faut qu'on les entende dans la tête avant. Et ce qui est écrit sur la page correspond à autre chose. Donc c'est hyper difficile pour nous. Par nécessité harmonique, quoi, on se trouve dans une configuration, un ensemble inhabituel. Et enfin, moi, je trouve ça ravissant de chanter avec un batteur, un vibraphoniste. C'est une belle aventure aussi. Évidemment, on est encore, comme on dit, le nez dans le guidon. Et de toute façon, même après la première, c'est des pièces qui méritent à être vécues, habitées pour se libérer. Alors tout le travail préalable qu'il fallait faire, c'était de ce tempérament en tirer des gammes et des harmonies. Pour pouvoir composer, il faut savoir un peu structurer tout ça. Donc j'ai tiré des gammes et des modes, c'est-à-dire des gammes à 7 notes, des modes à 6 et des modes à 5. Et puis j'ai écouté les couleurs que ça procurait. Et puis j'en ai choisi deux pour cette composition-là qui me paraissaient complémentaires et un peu contradictoires. Et ce qui me permettait de faire un jeu harmonique et mélodique que je trouve intéressant. Ouais. Je ne pouvais pas rentrer dans la continuité du multisérialisme ou de la musique spectrale, parce que ça, si j'utilisais ce principe-là, ça ne faisait pas ressortir les intervalles spécifiques à B6, B7. Donc je suis parti sur l'histoire de la musique et j'ai pioché dans l'histoire de la musique des formes et des harmonies proches ou des cadences proches de ce qu'on connaît déjà. Donc il y a évidemment tout ce travail qui est compliqué d'équilibre sonore, et là,
évidemment, Emmanuel va avoir un gros travail. Après, il y a évidemment toute la spatialisation et la mise en place aussi avec la bande électroacoustique que Frédéric a composée. C'est un paramètre qui rentre en jeu depuis les années 70, le paramètre spatial. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on avait les trois paramètres de base, c'est-à-dire hauteur, timbre, intensité. Maintenant, il y a la notion d'espace. On peut composer avec l'espace, c'est-à-dire la relation entre deux sons, l'espace, entre des mouvements sonores, elle est un outil de composition. Là, il y a 22 haut-parleurs, dont la majorité sont en 3D, ce qui permet à la fois d'avoir des masses sonores sur l'ensemble d'un lieu, plus des points précis dans cet espace-là. On a travaillé l'espace, on a travaillé l'échelle, il y a un résultat. On peut en faire une analyse, on peut dire ce qui marche, ce qui ne marche pas, mais ça montre que c'est faisable et qu'on peut accéder à ce champ d'une certaine façon.